auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices. Son honneur quoi je dis à pour nous accompagner de Maître Ramon pour nous venir renouveler plainte que nous t'ai porté il y a 3 ans de cela. S'il pas plus. Pour qui ça? C'est parce que depuis en 1994, moi-même Anel Belizère, m'a track toute cargaison d'armes qui entre en Haïti pour qui raison? Première autorité légale qui rentre dans le trafic illégal ZAM, il est Laurent Salvador Lamotte. Pour qui raison fait que moi dis, c'est première autorité qui rentre dans le trafic illégal ZAM? Parce que pour faire commande ZAM au nom de l'État ici en Haïti, il y a une procédure. Une fois que pas de gain en yen dans le budget de la République là, qui était programmé pour t'acheter ZAMIO, et pour faire commande ZAM de guerre, obligé de gagner autorisation du ministère de la Défense, qui validé par Finance et ministère de la Justice. Dans la commande de Laurent Lamotte, il pas de jamais gagner un lien dans l'institution qui te bat le droit. Ça. Et nous, après nous fin fait dénonciation, ça, nous avons dit que van dans l'ouvre. Tout le monde fait commande ZAM. Jean Yovle, depuis qu'on a l'État. Parce que je dis à moi, l'État, c'est nèg a fait salve parce que gon clientélisme qui développé la donne. Nèg a été ministre avant hier, ou a joué pour ça, la fait pas ça. Et puis, ils font tirer très sous lit, ils mettent l'autre côté pour le fret. Demain, si Dieu veut, ils retournent avec la figure là comme si rien n'était. Ça veut dire que clientélisme a fait souffrir en pile la peuple haïtien. Et moi, dit, comme je dis, Haïti est un pays de trou du cul. Si nous-mêmes nous pas accepter que nous sommes les cul, nous obligés de mettre tête ensemble pour nous. Parce que chaque monde qui parle fort dans le pays comme autorité, il semble avoir un fatra. Parce que l'autre marché, là dans le pays d'Haïti, pour ça, moi, monsieur, c'est triste. Et si l'homme qu'on a dénoncé l'autorité, qui a fait ça entrer illégal dans le pays, il y a un tandem, il n'y a pas de privé côté de. Et moi-même, moi dis maintenant, nous sommes en bataille. Et tant même dans les connexes pour position, pour job, y aura paix. Moi-même, votre serviteur me dit, on est tué, mon pas qu'à changer. Je dis à nous renouveler plainte là contre Laurent Lamotte, Salim Souka. Semaine prochaine, c'est pour la douane avec directeur affaires juridiques dans détournement d'armes et de munitions saisies par la douane. C'est que approche insécurité, hein? Approche zam illégal dans le pays, hein? Autorité au mal fait. Moun kap fait trafic là, yo pa jam chercher traquer yo. C'est moun kap utilise zam nan que yo prend comme problème. Et pour nous mettre une solution à problème ça kap kangren dans le pays, hein? Tout temps que nous pas fermer van nan, OK, pour mettre moun kap utilise yo à genoux, nous fait carré gen problème. Mais Anel Belizère, gen CNDD qui t'ai cité. Tu dis que c'est une famille qui est sur les âmes, qui est allé à la mort et qui sont décidé de nous faire ça. Écoutez, CNDDR qui a parlé pour faire plaisir à l'autorité. Arnel Belizère a parlé de ça que le gars amène comme preuve qui a dit que le monde n'a pas trafic ça. Est-ce que là, moi, je fais partie des rôles de ça? Moi-même, pas comme ça, l'autre entité dit. Moi-même, je garantis ou comme ancien parlementaire que preuve justificative que m'gena même qui prouvait que Laurent Lamotte Salim Souka était dans trafic international d'armes. Comme nous t'ai déposé tout dossier déjà dans parquet hein? Comme il y a pas les jodi insécurité à qui vient le faire arriver dans niveau ça, moi remontrer encore c'est meilleure façon pour résoudre le problème là, c'est fermer vannes. Jodi an me garantis nous tout al sécher de l'eau en bas tu as quitté tu as ouvert. Le même motif et le même composant du dossier, pas de l'autre pour mettre. Non, pas de rien additionnel, c'est trafic international d'armes, complicité vraiment de blanchiment d'argent, parce que pas de aucun rubrique budgétaire qui te bal doit faire. Et comme premier ministre, il n'y a pas de aucun pouvoir, et Salim Souka qui était chef cabinet, il n'y a pas de aucun pouvoir légal pour te faire commande d'armes, ok? Pour entrer en Haïti. Que nous-mêmes, nous avons fait bataille là. Nous avons seul choix pour le peuple là par contre vérité. Soit vous touillez, vous comprenez, ou bien que vous venez devant la justice.
Après, on a fini libéré, un peu de monde qui a content, puisque on connaît Anel Belizer, c'est le monde qui est capable de faire tout le ghetto au Chita, on connaît qu'il est capable de passer à l'aise. Mais jusqu'à maintenant, on a foutu le langue pour lui. Écoutez, nous faisons cette bataille-là, parce que moi-même, moi toujours dit clairement dans le pays, moi je parle à tout le monde. Parce que M. Sergvin fou, je dis à examen, c'est parce que l'approche est mal faite sur lui. Moi-même, je ne peux pas pardonner pour faiblesse, parce que j'ai une capacité. Quelle soit la divergence que vous avez entre vous pour discuter. Moi, je parle à tout. Je vous montre que je fais expérience là, mais nous ne pouvons jamais descendre dans l'état pas propre que vous descendez là. Je trouve que vous avez très sale objet à Pagien parce que là, vous avez un pays qui a une approche ou pas fait. Ça veut dire que l'on adversaire en face, ce n'est pas le monde qui peut pitié de payer conséquences. Et moi, je dis tout le monde, soit parler dans nos peuples, bon gens pour vous. Et si vous n'acceptez pas Goumé, dans Jean pour Goumé, il y a plein de têtes. Vous n'avez pas besoin de cacher ton billet vraiment autour. Il y a toujours un seul billet dans le monde. On aller sans vous partout. Moi-même, je dis que. Je t'ai fini de libérer, tu es prêt dans la première déclaration. Tu as dit que vous avez garanti le mois de décembre, vous commencez à jouer une entente avec vous. Est-ce que ça commence? Pour amélioration, pourquoi vous avez une entente réelle? Parce que l'autorité de l'État est impliquée trop dans ce qui a passé là. Et oui, nous avons pour parler. Parce que moi-même, j'ai entité, je n'ai pas de camp, clan. Moi, toujours dit au monde, je fais un choix. Comme mon petit, qui saute dans la masse peuple là, qui souffre. Et pas miracle qui fait me river côté mire. C'est parce que j'ai magie qui fait tout petit ghetto. Hein. Même les gens qui en l'air, tout gagne crème. Mais moi-même, je crois dans la bataille de classe, n'ayons pas qu'à toujours été au service d'eux. Il faut que nous mettions la tête ensemble pour nous capables de faire Gouméa pour retirer le pays dans la salle. Et seuls gens où le pays a sauté dans la salle, c'est vrai Gouméa. Et M. Azamio, son élément incontournable que nous avons dans la bataille que nous-mêmes nous avons besoin pour le pays. Mais il faut que nous ressaisions pour connaître que la bataille pays n'est pas qu'à faire, j'ai fait là. Et nous connaissons pas nous-mêmes en tant que prisonnier politique qui est dans la prison. Qui démarche qu'a fait qu'on est là pour l'autre prisonnier qui est député Anel Belizer dans le cadre du renouvellement de plainte que a été déposé, que a été dénoncé, n'est-ce pas, ancien PM, la mort et Salim Soukar, dans le cadre d'achat d'armes illégales. Démarche illégale ou même qu'il y a ce qu'on fait pour que le prêtre fasse ça? Bon, nous faisons la première démarche, non? Nous renouvelons le prêtre dans la matinée et nous prenons le travail à ce que le prêtre fasse cheminer et nous allons fixer une conférence de presse pour que nous effectivement expliquer en détail comment pour le mener. Mais ce qui est important, c'est que nous déposons plainte là aujourd'hui et nous allons faire suivi pour que nous au moins joignent côté monsieur Yo à l'époque t'es utilisé soit pouvoir politique, n'est-ce pas, pour entrer dans le trafic d'armes illégales. Et ce qu'on est aujourd'hui, c'est ça qui a gagné le pays, insécurité. Insécurité, c'est les armes qui sont dans la rue. Ce n'est pas eux-mêmes seulement que les hommes qui rentrent. Mais il faut peut-être que nous commençons à côté et c'est là que nous commençons. Nous-mêmes, comme avocats, nous accompagnons les députés et nous prenons le travail pour que nous jouions des résultats. Est-ce qu'il y a une garantie de ce même marché juste en aboutir pour nous jouer des résultats? Écoutez, nous sommes avocats, nous croyons dans la justice qui nous. D'accord? Donc, plainte là, déposée et nous allons faire ce que du droit pour les aboutir.